ça s'en va. Tu es là et puis ça s'en va. Tu ne sais pas comment, mais ça s'en va. Tu te réveilles matin, BVA augmente. Tu es en train de dormir, BVA augmente. Tu es en train de manger, BVA augmente. Quand tu vas aux toilettes, BVA augmente. C'est BVA, 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 BVA. Network marketing, les gars, c'est la magie, c'est la magie. Et vous ne pouvez pas comprendre un peu ce qu'on ressent, vous ne pouvez pas ressentir ce qu'on appelle freedom financial. C'est trop puissant, freedom financial, les gars. Actuellement, là, on ne sait pas quoi. Mais tu es heureux, tu ne sais pas pourquoi tu es heureux, mais tu es heureux quand même. Mais il ne faut pas chercher bonheur et puis ton cœur va être noir. Si tu cherches bonheur, ton cœur doit être blanc. Quand tu cherches bonheur et puis ton cœur est noir, ah, les gars, croyez en vous, croyez en ce potentiel de business. Vous savez, le network marketing n'a pas encore commencé en Afrique. Et le marché, il est encore vierge. Le business n'a pas encore commencé. C'est maintenant, ça va commencer. Pour ceux qui croient que c'est fini, vous allez regretter. N'ayez pas les mentalités tordues parce que vous allez, c'est maintenant le network marketing va faire ses preuves en Afrique. Je crois en cela et actuellement nous sommes en train de former les leaders de demain, les gens qui seront en train de faire le Massat en 2025. C'est cela nous formons aujourd'hui, ok? Et vous savez, vous êtes dans un système dynamique, vous êtes dans un système assez puissant. Mais le network marketing, il faut aller au-delà de vos limites. Il faut croire en vous. Il faut croire en vos potentiels, il faut croire au business. Si les autres ont réussi, c'est que vous pouvez réussir, les gars. La vie du massacre, ce n'est pas de l'amusement, les gars. Ok? Des gens abandonnent trop vite ce business et ils s'en vont dire j'ai échoué. Mais il faut prendre beaucoup de courage. Ok? Parce qu'il ne faut pas vite abandonner le business. Je viens de dépasser le bureau. Les gens abandonnent trop vite ce business pour dire j'ai échoué. J'ai fait, je n'ai rien eu. Ce n'est pas placement d'argent. Il faut souffrir, il faut travailler pour réussir. Si tu ne souffres pas, que tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. Voilà. Mais la vie du massacre, ce n'est pas amusement, les gars. Hein? En plein mardi, mercredi, tu es content, tu ne sais pas pourquoi tu es content. Le massacre, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une réalité. Mais pour gagner, il faut croire. Il ne faut pas attendre de gagner avant de croire. Ok? Parce qu'on ne va pas au paradis. Mais dis ça, tu vas. Passer à commencer à longtemps. Faut pas te dire tu vas gagner pour croire. Il faut croire pour gagner, peu importe les obstacles. Il faut les surmonter. Il faut les surmonter. Et aujourd'hui, le massacre est une réalité. C'est une réalité. Ouais, Gabi, tu es où? Le bureau. Le bureau où il était hier là? Oui, ah, je suis déjà devant le bureau. Donc, je vais rentrer ou bien je suis au bord. On s'en va dans l'autre bureau, non? Oui, vite. Donc, tu sors, l'autre bureau, c'est vers où, Bado? Il faut rentrer d'abord. Je suis là-bas, là. Tu voulais qu'ils disent bonjour aux gars, quoi? Voilà, juste là-bas. Mais il y a longtemps, il a dit bonjour. Là-bas, vite, donc, je vais partir. On passe de l'autre côté. Allons de l'autre côté en même temps, parce que les autres bureaux, là, on les a trop formés. Donc je t'appelle, tu viens dans ma voiture ou bien? Allons dans ma voiture, viens dans 6. Viens dans 6, viens. Ah donc venez monter, on va partir. Venez monter. Faut laisser ta voiture, il faut venir en partir ici. Ok. Il est là, ok. Il a fait ton suivi un peu là. Ça va t'amener à rêver à acheter une voiture comme pour moi. Il y a pas de problème. Tu sais qu'il y a voiture et puis il y a automobile, non? Tu es dans l'automobile pour le moment, il faut venir dans voiture. Ouais. Viens monter dans voiture. En 3 mois, tu as fait ma santé, Inch'Allah. Inch'Allah, mon fils. Ok, donc viens monter. Je crois en vous. Je crois à l'air que vous avez venu apporter. Inch'Allah, il serait le premier massacre de San Pedro. Les bébés ne font que monter, non? Oui, oui, si. Ça monte, ça va monter, tu es. C'est un autre travail. Ça va monter même. Attends, ça monte. Venez en partie. Ah les gars, le business, c'est trop dynamique. Ils ont cru que Zouglou allait avoir honte. Ouais, Benin, et vous salue. Ils ont cru qu'Infinity allait avoir honte, mais il n'y a pas honte, no more fear. Viens parler un peu aussi. Ah, il y a des prendre le son là. Mais la dernière lettre de l'alphabet, c'est le 7.
Allô, Kobena? Ouais, Kobena, ça va? Je suis au bas de la route, venez monter en partie. On va le faire suivi dans l'autre bureau là. On va laver un peu les têtes. On va enlever tous les déchets. Ok. Allons-y. Ah ouais, business là, c'est trop bon. Tu te lèves, tu peux. Les gars, nous on est sur le terrain. Hein? Voilà, on est sur le terrain, on s'amuse pas. Network, c'est pas s'asseoir dans le bureau pour dire je suis network. Il faut aller sur le terrain aider les directs. Il faut aller aider les personnes qui souffrent, qui veulent réaliser leurs rêves. Parce que ce business, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Faut pas dire aux gens, si tu viens, je vais t'aider. Et puis quand ils viennent, tu les aides pas. Monte. Voilà. Kobena Narcisse, vous le voyez bien. Ce monsieur fera le massage. En 3 mois, je te garantis, tu fais le massage. Ouais, ouais, le massage va se produire d'ici 3 mois. Depuis le premier jour, je t'ai dit tu allais réussir. Oui, et je ne vais jamais t'abandonner, ça et cela. Ça, c'est clair. Je suis avec toi jusqu'au sommet. Et Gabi. Gabi, est-ce que tu vas bien sa voiture? D'aller acheter une ceinture. Viens. Ok. Je suis avec toi jusqu'au sommet. Tu vois, il faut dire donc à bien te regarder. Le king yeah, du massage. Yeah. Une minute à ici, VC Silla, ça change la vie. Ici 3 mois, vous allez voir. Je suis à VC Silla, ici à San Pedro. Et pour venir repousser les choses, ça fait pratiquement une semaine que nous sommes là. Et je pense que d'ici 3 mois, les choses vont remonter. Et nous allons rouler dans les forêts verts. Are you ready? Ok. Et vous savez, faut pas fuir un business parce que c'est dur. Aujourd'hui, des gens fuient qu'une aide parce que c'est dur. Mais si tu fuis qu'une aide, que tu vas dans l'autre business, quand ça sera dur, tu vas fuir aussi. Faut jamais faire confiance à quelqu'un qui fuit un business pour un autre business. Parce que c'est un fuyard. C'est un fuyard. Aujourd'hui, des gens abandonnent qu'une aide parce que c'est dur. Mais moi, je crois qu'ils allaient abandonner parce que c'était pas bon. Mais ils abandonnent parce que c'est dur. Faut jamais fuir. Celui qui fuit un business pour aller faire un autre business, c'est qu'il n'est pas crédible. Moi, quand j'ai commencé qu'une aide, c'était dur. C'était pas facile, mais je n'ai jamais fui le business. Et faut jamais suivre quelqu'un qui fuit un business pour aller dans un autre business. Vous savez, hier, en faisant le suivi à San Pedro, des gens m'ont dit, ils ont connu des gens qui faisaient ce business et aujourd'hui rien ne va chez eux. J'ai dit bon, rien ne va chez eux. Maintenant, et nous qui avons fait là, ça va chez nous, mais ça ne va pas chez nous. Ça va chez nous. C'est que le problème, ce n'est pas la compagnie, mais c'est la personne. Parce que qu'une autre aussi, si tu es paresseux, tu vas abandonner. Nous avons fait face aux obstacles, nous avons surmonté les obstacles et aujourd'hui. Tiens, on va venir sa voiture, on va dépasser. Djabi. Non, il dit il arrive. Donc les gars, croyez en vous. Non, on a mode Zouglou, écoutez un peu encore. On n'a aucun droit d'auteur. Voilà un nouveau massateur qui vient d'arriver. Je te reconnais maintenant, tu es en veste. Yes, ici. Quand tu n'as pas encore l'argent, il ne faut pas porter les petits tricots. Yes. Les petits tricots, nous, on peut les porter aujourd'hui, ils vont croire en nous. Regarde comme tu es sapé. Merci, ici. Quand tu n'as pas encore l'argent, il faut te saper. C'est ça, moi, aujourd'hui, je peux porter petit kilo, petit tricot, tout le monde va croire que le business marche. Yes. Tu as vu comme tu es bien habillé. Merci, ici. Et vous savez, l'habillement renforce la confiance en soi. C'est ça. Plus tu t'habilles bien, plus ta confiance en soi s'élève. Plus tu t'habilles bien, ça renforce la confiance en soi. Donc, ça va tout droit, non? Tout droit, ici. Ok. Et tout droit? Oui. Ah, okay. Donc, on va écouter. Toi, tu connais plus San Pedro, tu es un Abigané maintenant. Carrefour Gallo. Ah, yeah. Yeah. C'est Michel de Boulogne, le plus. Thank you.
Leader, il faut travailler, c'est un avoir deux. Un leader, c'est pas un superviseur. Voilà, un leader, c'est pas un boss. Il est sur terrain, il mouille maillot, hein, ses éléments. Et puis, il fait deux des leaders. C'est ça le business. Voilà, ce n'est pas de les laisser eux seuls. Quand vous mettez des gens dans ce business, il faut travailler avec eux. Faut tenir ta promesse. C'est ça l'honnêteté dans le business. Parce que le fait d'engager les gens dans ce business pour leur dire on sera là pour vous. Et quand c'est dur sur eux, vous n'êtes pas là, c'est que vous n'êtes pas crédible. Voilà, le network, c'est la crédibilité. Le network, c'est la crédibilité. Quand tu promets aux gens, depuis 2012, je suis avec ces guerriers-là. Et je ne vais jamais les abandonner jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs rêves. C'est ça la crédibilité dans le network marketing. Parce que le fait d'engager les gens et ne pas les suivre, ce n'est pas être crédible. Voilà, c'est le manque d'honnêteté qui nous amène à le faire. La priorité dans le network marketing, ça doit être ce qu'on envoie. On doit s'oublier les aider. On doit être là pour eux. Les gars, il y a BV ici. De... Qui est non, les gars, le marché là, il est trop riche. Yes. San Pedro, non. Ah, mais regarde tout ce potentiel. Ah non, il y a trop. Non, les gars, on a l'avenir est radieux. Yes. Ouais. Donc un leader, c'est celui qui va sur le terrain pour travailler à ses directs un peu partout. Il ne faut pas s'asseoir dans le bureau quand les autres réussissent, vous allez dire ils ont fait un médicament ou bien ils travaillent pas. Alors que vous qui travaillez bien, on ne vous voit pas. Network marketing va aider tes downlines. D'ici tu as critiqué les autres, il faut prendre ce temps pour aller aider.
pour référer. D'ici, tu vas critiquer le succès des autres. Network marketing, c'est pas s'asseoir parler sur Facebook. Être coach sur Facebook et puis tu n'es pas coach dans ta vie. Voilà, c'est des conneries ça. Network marketing, je vois des experts aujourd'hui. Toujours ils parlent de marketing, de réseaux sur Facebook, mais ils n'ont jamais aidé quelqu'un qui est devenu millionnaire. C'est que toi, tu es un tocard. C'est un tocard. Yes. Voilà, c'est un tocard. C'est les tocards qui le font. C'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un qui l'a aidé à réussir, mais il est formateur sur Facebook. C'est un tocard. Il faut être tocard pour le faire. Il donne toutes les stratégies, toutes les règles. Mais lui-même, là, on n'a jamais vu une seule personne qui l'a aidé. C'est un tocard et il parle aussi. Et vous savez, quand Vici, s'il en parle, personne ne peut parler. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ça. Voilà. Donc, on ne peut pas contester la vérité. Et quand nous, on sort, les gars disparaissent. Voilà, les coachs sur Facebook, là, qui n'ont jamais eu d'eux, là, ils disparaissent. Network marketing, c'est fait ses preuves. C'est fait ses preuves. Et Infinity, c'est pas papier. Infinity, c'est des preuves qui parlent. Voilà, c'est pas sur papier pour dire non, attends, mais Infinity, c'est les preuves qui parlent. Vous le savez, Infinity, c'est les preuves. C'est les modèles de réussite. Les gars, croyez en vous dans tous les pays. Après Corona, on va faire les tournées un peu partout. Après Corona, on va créer, on va aller aider des gens partout, c'est ça. Sachez une chose, grâce à nous, l'Afrique va se développer. Parce que nous allons apporter notre contribution dans nos différents pays. Il ne sert à rien de dire, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Un seul président ne peut pas tout créer pour nous. Ils ont créé l'école, qui est comme une route. Et après l'école doit t'amener à réfléchir, à être intelligent pour pouvoir créer tes propres projets. Voilà. Parce que vous avez eu la chance que nos différents États, ils ont instauré l'école dans nos différents pays. Et l'école a été faite pour nous rendre intelligents, pour saisir les opportunités. Ok? Mais l'école n'a pas été faite pour s'asseoir, pour dire non, je vais travailler dans le bureau, je vais forcément faire concours, non. Voilà, donc arrêtez de dire, il n'y a pas de travail. C'est vous qui êtes paresseux, vous refusez. On vous présente qu'une aide que nous on a fait pour réussir, vous dites c'est trop dur. Et les gars préfèrent s'asseoir dans leur famille, manger, rire, coucher, et dire que c'est dur. Et certains parents encouragent cela. Ils disent à leurs enfants qu'une aide est trop dure, il faut rester à la maison. Mais attendez, ceux qui ont réussi là, ce n'est pas des génies, ce n'est pas des sorciers. Hier, j'ai dit à un papa, si ton enfant refuse de faire cunette, il faut le chasser de chez toi. Parce qu'il fait cunette et puis il ne fait pas cunette et puis il est chez toi, il ne fait rien. Alors que nous aussi, nous sommes enfants de d'autres personnes. Si nos parents nous avaient cautionnés dans la paresse, on n'allait pas réussir aujourd'hui. Et souvent, il faut blesser les gens pour les amener à réussir. Donc je lui ai dit, si ces enfants ils ne font rien pour le moment, ils n'ont qu'à faire cunette. Maintenant, s'ils refusent de faire cunette, il n'a qu'à les chasser de la maison. Parce que ceux qui ont fait pour réussir, ce n'est pas des génies, ce n'est pas des sorciers. Ce sont des gens qui ont deux pieds, deux bras comme vous. Et nous, on est fils de cultivateurs. On a fait ce business, on a réussi. Donc, si nous, on a réussi, les autres peuvent réussir. Parce que pourquoi dire à ton proche, à ton ami, à ton frère, que le business est trop compliqué, donc il ne faut pas y va faire. Mais pourquoi? Il ne faut pas encourager la paresse aux gens en fait. On ne fuit pas un business parce que c'est difficile. On peut fuir parce que ce n'est pas légal. Donc, cher. Okay. C'est ton ancien quartier, non? Oui. Je connais ici. C'est cher à penser. Donc, cher leader, faites bien ce business. Ne fuyez pas parce que c'est dur. Toute souffrance passe. Toute difficulté passe. Tout change. Voilà, ce n'est qu'un moment. La souffrance n'a jamais tué quelqu'un. Nous, on a souffert. Souvent, nos chaussures étaient finies. On n'arrivait pas à manger, mais aujourd'hui, cela est passé. La souffrance n'a jamais tué quelqu'un. Tu trouves les profonds. Hein? Ouais. Nos parents ont travaillé dans les plantations. Ils ne sont pas morts de la souffrance. Un travailler dans la plantation et puis un avoir deux, qu'est-ce qui est dû? Moi, j'ai fait aide-maçon. Cette souffrance ne m'a pas tué. J'ai fait charbon en brousse. Cette souffrance ne m'a pas tué. Charbon. Est-ce que vous savez comment faire charbon? Ou vous allez monter les gros fours? C'est très difficile. On a fait charbon, ça ne nous a pas tué. Donc, ce n'est pas les rejets qui vont te tuer. Les noms, les moqueries ne vont pas te tuer. Ok? Parce que certains disent aujourd'hui, il y a les moqueries, il y a les rejets. Mais moquerie n'a jamais tué quelqu'un. Ok? Que certains dénient qu'une
mais ça ne tue jamais. Parce que ceux qui vont dénigrer QNET ne vont pas payer ta facture d'eau ni ta facture de courant. Ou bien ceux qui dénigrent le business, ils ne vont pas payer l'eau pour toi, ils ne vont pas payer courant pour toi. Voilà, donc si tu écoutes les gens qui dénigrent, qu'est-ce qu'ils savent faire de leur vie? Il faut regarder ça. Parce que regardez, tous les hommes importants ne dénigrent pas le business des autres. Même quand vous allez remarquer QNET aujourd'hui là, les gens importants de ce pays ne dénigrent pas. Ils encouragent peut-être même, ok? Les gens qui se sont battus pour eux ici, ils n'ont même pas le temps de dénigrer. Mais tous ceux qui parlent mal, c'est des gens, il faut regarder bien leur vie. Leur vie est déjà gâchée. Ok? Ceux qui critiquent le business, leur vie est déjà gâchée. Ça dit que c'est des gens qui ont déjà perdu la vie. Ils ont échoué dans leur vie. Et si tu écoutes quelqu'un qui a échoué, tu vas échouer. Voilà. Donc, faut pas écouter quelqu'un que sa vie est bafouillée. Faut pas écouter. On va à gauche, non? On va à gauche. Donc, chers parents, c'est ce message que je voulais vous passer ce matin. En direct depuis San Pedro, actuellement, on est dans quel quartier? Quartier Soleil. Quartier Soleil. On est dans quartier Soleil. Il est précisément 11h24. Écoutez bien ça, j'ai dit. C'est toi qui cherches mon âme et puis ton cœur est noir. À quoi ça sert cette hypocrisie, jalousie? Qui nous pousse souvent à faire du mal à notre prochain pour rien. Mais on est né poussière, on retournera poussière. Et tu oublies que tu vas pas rester caillou. Et il sera trop tard quand tu vas regretter. Mamie, yama et coco. Voiture et puis automobile. On m'avait dit qu'il allait faire le passant des jours. Ils ont cru que Zouglou allait avoir honte. On ne peut jamais avoir honte en Zouglou tout réussi. Il fallait qu'il parle là, il n'a pas fait ça en chanson. Ouais, il fait tout en chanson. Ils ont cru qu'on allait avoir honte. Les mêmes gars qui nous ont dit qu'on allait échouer, ces mêmes gars disent qu'on a eu la chance aujourd'hui, mais on a fait médicament. Et c'est Zouglou. Alors, je veux qu'on fasse du bruit pour les organisateurs parce que nous au moins on a montré au monde entier qu'un Zouglou ici à Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas aucun, il n'y a pas quelque chose. On applaudit pour le Zouglou. On fait du bruit pour eux. On avait dit ça. Ah, yeah. Quand tu n'as pas énergie matin, il faut boire café. Et puis tu manges un peu de pain, c'est fini. Qui nous pousse souvent à faire du mal à notre prochain pour rien. Mais on est né poussière, on retournera poussière. Et tu oublies que tu ne vas pas rester caillou. Mais il sera trop tard quand tu vas répéter. Allez, 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 croyez en vous, ne fuyez pas le travail parce que c'est dur, on est dedans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui viennent, on vous dit, on ne travaille pas, c'est facile. Ceux qui vont là-bas, vous serez anarqués, vous allez pleurer bientôt. Moi, j'ai 10 ans dans QNET, je n'ai jamais fait autre business, ok? Il y a beaucoup de petits systèmes où on vous dit, vous ne faites rien, vous allez gagner. Mais ceux qui vont là-bas, c'est les escrocs. Parce que la parole de Dieu dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est où le bureau? Où est-ce que tu as rentré? Il a fait ASB Advance. Il a fait Vezone.
J'ai fait ASB Advance, j'ai fait V-Zone encore. Donc ne craignez pas pour moi, craignez pour vous. Moi, je crains pour vous. Okay. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Vous voyez ce joli polo avec un drapeau de Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. On est avec la Côte d'Ivoire, merci.